De mon père, que j'ai trouvé dans une malle, cette enveloppe avec les photos. Tu te souviens, Aldo? À l'entrée de ce garage, là, et à la place du garage, il y avait le bistrot chez Lulu. Ah, je me souviens, effectivement. Il appartenait à Lucien Lopez. Ben, Lucien Lopez, c'était le demi-frère de mon père. Ah, je m'en souviens pas de ça. Ah bon? Mais ces photos, elles ont été prises quand? Et par qui? Écoute, je pense qu'elles ont été prises en 1962, lorsqu'on est rentré d'Algérie, et par un photographe qui s'appelait, je crois, Guy, de prénom. Ouais, mais et qui travaillait et qui était le reporter du journal de Macron. Ah, mais je me rappelle. Guy Plantin, voilà. Ah oui, c'est ça. Mais il a dû les donner à mon père. Tiens, regarde cette photo. C'est mes trois tantes. Tu sais, on les appelait les bigotes. Ah oui, je me souviens, oui, elles étaient assises là-bas, là, et elles faisaient des neuvaines, et je te fais des chez vous, salut Marie, et je te fais des notre père, avant plus finir. À 16h, elles étaient installées là, elles attendaient le curé pour aller ouvrir. Ouais. Bon, écoute, il fait un petit peu froid là, hein. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait? On va au bistrot? Oui. Allez, tiens, je te rends tes photos là. Mais, Aldo, t'as vu celle-là? Non. Regarde ça. Oui, j'ai vu, mais c'est qui ça? C'est nous, ça? Ben oui. C'était là-bas? Ouais, c'était là-bas. Exact. On y va? On y va. On est assis là. Et toi, tu étais là? Moi, j'étais là. Bonjour, je vous inscris, là. Hop! Là, je te rends ta photo. Ah, ouais. Et souviens-toi, Aldo. Sur la photo, on ne voit pas, mais regarde, il y a la marque de la marelle, là. T'avais ta tante qui était là-bas et tes cousines elles jouaient là. Elles jouaient à la marelle. Ah ouais, c'était. La tournée elle a été quand même épique. Enfin, il y en avait plusieurs journées. Hein, en fait. Parce que il y avait des canons, tu te rappelles les canons qui s'enfilaient là? On y pousse. Les enfants ont l'air de s'amuser. Oui, elles s'amusent bien. Elles jouent avec un manchon. Venez voir un coup les filles. Non, on monte. C'est bon, hein. Écoutez,
Tu te réveilles quand même. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dis Roger, tu nous rejoues la scène de Marius ou quoi? Tu me prends pour un couillon. Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu? Quoi, quoi, quoi? Tu es en train d'insinuer que mon grand ami Robert et moi-même, on serait, comme qui dirait, des tricheurs? C'est bien ce que j'insinuasse. Depuis le début, vous faites que parler et tricher. Même José, le pauvre, il n'a pas une bonne vue. Il est souris muet, il voit que vous trichez. Bon sang, Robert, dis quelque chose. Je n'ai rien à répondre à la médisance. J'ignore la canaille. Le poison n'atteint pas la Blanche Colombe. Tu parles d'une Blanche Colombe, oui? Un vrai charognard. T'en penses quoi, Jean? Bah, je suis d'accord avec toi, ils font tricher depuis le début. Bah, on peut pas jouer comme ça, je joue plus. Popo, il y a qu'à voir comment vous regardez la chamelle qui passe, hein? Moi, les femmes, elles m'excitent. Vous lui avez vu les fesses de celle-là? Suffit, revenons à nos misères. Mais qu'est-ce qu'il fout, Lucien? J'ai la gorge sèche comme une date de bizerte. Odile à Castafiore, il arrive quand ton blanc? Parce que si tu continues comme ça, tu vas trouver 4 cadavres autour de la table, hein? Oh purée, ça c'est de la chanson. Timon Rossi, lui, il est fort dans l'émotionnalité. Chaque fois, il me tire les larmes, dit. Des larmes de crocodile, oui. Tu vas finir par nous le servir, ce blanc, ou quoi? La culture, tu n'es pas tombé dedans. Enfin, la culture intellectuelle. Parce que l'autre, la agricole, c'est tout entier que tu es dedans. Je te signale que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas ton Tino Rossi qui va nous faire bouillir la marmite. Par contre, si tu continues à nous épouvanter les oreilles avec tes blanches roses, j'hésiterai pas à te harponner l'arrière-train. Tiens, ça me fait penser. Et si demain, on allait à la pêche? Dis Roger, ta barque, elle est pas truée au moins? Parce que la dernière fois, j'ai bien cru qu'on allait servir de caméra au poiscaille, hein? Mais non, t'inquiète donc. Je l'ai fait réparer par Fernand la semaine dernière. Là, on craint plus rien. Oh bah oui, du sanglier surtout, et toujours, j'aurais pu en tirer un, hein, mais c'est le chien qui est sorti avant le sanglier, donc voilà. T'as pas tiré le chien quand même? Bah non, mais... pour revenir, tu as fait de la viande de chien. Miséricorde, plaque le pauvre curé à chute sa bicyclette. Jésus, Marie, Joseph,
Il a tous les cheveux, il a tous les cheveux. Eh ben dis donc, curé, t'as trop pu boire que de l'eau bénite, hein. Sainte Marie, Mère de Dieu, et qui sait qui va encore lui recoudre sa robe de bain? Mais qui veux-tu que ça soit? Nous, bien sûr. Pardonne-le, ils savent pas ce qui est bon. Il boit trop du vin de messe. Mais c'est qu'il a encore soif. Il va pas rentrer sur son vélo. Pleine de grâce. Mais regardez-moi ça, ils sont en train de lui faire boire du blanc au goulot. Oh, c'est sûr qu'ils vont nous le rendre aussi saoul qu'un cochon, si c'est pas malheureux. Priez pour lui, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça c'est, ça, c'est de la chanson. Top. Pourquoi tu dégages? Et pourquoi pas? Faut pas que tu passes le château. Ça tourne. Clap. Bigote, troisième réplique. Action. Sainte Marie, Mère de Dieu, et qui c'est qui prend? Même José, le pauvre, il a pas une bonne vue. Il est sourd et muet, il voit que vous trichez. Qui est en train d'insinuer que mon grand ami Robert et moi-même, on serait, comme qui dit, prêts. Oh oh. Mais c'est le chien qui est sorti avant le sanglier, donc voilà. T'as pas tiré le chien quand même? Bah non, parce que... Action! Ça c'est de la chanson. Top. Pourquoi tu bégayes? Mais pourquoi pas? Je sais plus ce que je dois dire. C'est beau la musique. Tino Rossi.